Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la recette de la blanquette de veau qu'on va l'accompagner avec le riz blanc. Et avant de commencer cette recette, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit et c'est très rapide à le faire. C'est parti tout de suite maintenant à la recette. Je prends la poêle, j'ajoute un filet d'huile. Et ensuite, je vais poser dedans les morceaux de blanquette de veau. J'ai coupé en tranches de cette manière. Et après, je vais assaisonner le veau avec le sel et le poivre de moulin. Et après, je vais recouvrir ma poêle et je le laisse cuire à feu moyennement doux, quelques minutes. Et après, je vais retourner les morceaux de viande et je le laisse cuire une deuxième fois. Une cuisson à feu doux, vous allez obtenir des morceaux de viande très très tendres. Voilà, la viande est bien cuite, je la retire. Et ensuite, dans la même poêle, je vais rajouter un oignon haché finement, une carotte coupée finement aussi. Je mélange bien et je laisse mijoter quelques instants. Ensuite, j'ajoute des champignons coupés en quartier. Et à la fin, on va assaisonner la préparation. Malheureusement, j'ai pas tout filmé. J'ai rajouté un peu de sel, poivre, paprika, gingembre et l'ail en poudre. Et ensuite, j'ai rajouté un petit peu d'eau, environ un verre, pour avoir une belle sauce et aussi pour la bonne cuisson des légumes. J'ai ajouté aussi un demi-cube de bouillon de légumes. J'ajoute aussi un petit peu de persil et je recouvre la poêle et je laisse cuire la préparation quelques minutes. Une fois éportée à ébullition, je vais rajouter la crème fluide. Je mélange à nouveau. Et à la fin, je vais rajouter les morceaux de viande. Je recouvre et je laisse cuire tranquillement environ 3 minutes. Et de l'autre côté, je prends une casserole, je vais mettre un peu de sel, des graines de cardamome et je vais faire cuire dedans le riz. Voilà, ma blanquette de veau maintenant est bien cuite. On a obtenu une sauce très onctueuse. J'ai vérifié la cuisson des carottes, c'est super tendre. Une dernière touche, un petit peu de persil haché. Et c'est parti maintenant, on va dresser. Nous avons ici le riz blanc que j'ai rajouté un petit peu de beurre. Ma blanquette de veau. Et c'est parti maintenant, on va dresser notre plat. Je prends un petit bol, je le remplis avec le riz blanc. Comme ça, ça va être joli dans l'assiette. C'est facultatif, on peut le mettre avec la cuillère directement dans l'assiette. Voilà, je retourne le bol dans l'assiette et je l'enlève de cette manière, délicatement. Et de l'autre côté, je vais poser des morceaux de blanquette de veau. Et je pose juste par-dessus la sauce et les légumes accompagnés. Une dernière touche, un petit peu de persil haché. Et voilà, le plat est bien prêt à servir. Comme vous voyez, c'est une recette très simple à réaliser et c'est super bon, je vous conseille de le tester. Et si vous le testez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, la blanquette de veau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise en ligne. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. C'est complètement gratuit et ça m'encourage énormément. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !